Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo, c'est un petit vlog, un petit point, une vidéo vlog. Je voulais faire cette vidéo pour les 10 000 abonnés. Voilà, on a passé la barre des 10 000 abonnés, alors c'est pas forcément, comment dire, beaucoup, c'est pas forcément non plus l'objectif. L'objectif c'est de proposer quand même un programme que j'ai envie de proposer, voilà, quelque chose qui me fait plaisir, qui me passionne, que j'ai envie de, voilà, de créer avec passion. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous remercier à tous, donc de vous être abonnés, de me suivre, de me soutenir, et aussi pour faire aussi un point général sur le projet, la suite, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer. Et qu'est-ce qui pourrait arriver dans les prochains jours, prochains mois. Voilà, je voulais vraiment faire un petit point. J'aime pas trop faire des vlogs, j'aime pas trop m'étaler. En général, quand je fais une vidéo, je pense avoir déjà mis et dit tout ce qu'il y avait à dire dans l'épisode. Donc je vois pas trop l'utilité pour moi de revenir dessus. Après, quand vous avez des questions, en général, j'essaie, dans la mesure du possible, d'y répondre directement sur Facebook ou YouTube. Je vais faire un point sur le projet, la série. Je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Donc, le point. Il y a quelque chose que je voudrais dire en premier lieu. On va commencer par ça. C'est expliquer un petit peu le but de la série, le but du programme. Pourquoi je le fais, comment je le fais et dans quel but. Voilà. Déjà, on va commencer par ça. Alors, il y a une question. Alors c'est pas une question, c'est plutôt une remarque qu'on me fait souvent. En général, c'est plutôt les nouveaux arrivants, ceux qui découvrent. Ouais, bon, on va dire agressif. Allez, que ça soit moins agressif au niveau montage. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, moi j'ai décidé de créer une série. Alors avec un montage différent de ce qu'on peut voir dans le monde du paranormal, dans les enquêtes paranormales. Moi, je ne veux pas proposer des enquêtes brutes de montage. Voilà. Ça, je veux pas. Ça m'intéresse pas. Si c'est pour faire ça, j'arrête. C'est pas la peine. C'est pas du tout ce que je souhaite faire. Moi, je veux vraiment proposer des enquêtes réelles, de vraies enquêtes. Donc, je pars avec mon matériel comme tous les enquêteurs, tous les groupes d'enquêteurs, qu'ils soient solo ou en équipe. Je pars, je fais pardon, une véritable enquête. À côté de ça, quand je fais mon montage, ce que je souhaite faire, c'est apporter. Alors attention, il y a quelque chose qu'il faut pas mélanger. C'est le mot fake et le mot montage, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui font, qui associent ces deux mots, qui les mélangent. Ils font un espèce de mélange entre le fake et le montage. Non, le montage ne veut pas dire faire du fake. Le fake se fait par du montage, oui, c'est sûr. Mais faire du montage ne veut pas dire faire du fake. Quand je dis faire du montage, je dis que je souhaite apporter une ambiance différente de ce qu'on peut voir sur le net aujourd'hui dans les vidéos sur le paranormal. Je souhaite apporter une ambiance qui vous apportera des sensations, du stress, de l'angoisse, de la peur. Moi, je veux vraiment vous proposer de véritables enquêtes avec un montage, entre guillemets, de type cinéma. Alors, pourquoi je dis de type cinéma? Cinéma, c'est un grand mot pour ce que je fais. Mais quand je dis de type cinéma, c'est-à-dire que, par exemple, dans un film d'horreur, vous allez avoir une scène où il va se passer quelque chose. Le réalisateur vous met une petite musique de fond qui monte crescendo et qui vient vous mettre le stress. C'est pas pour rien qu'en général, vous avez votre compagne ou votre compagnon pour certaines qui commence à faire comme ça quand il va se passer quelque chose parce que justement ça vous fait monter le stress. Moi je veux arriver à proposer quelque chose qui. Alors c'est bête hein, parce que. Certains s'imaginent que les enquêtes paranormales sont là pour prouver quoi que ce soit, enfin, prouver des choses. Moi, je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je cherche juste à créer une émission avec du stress,
des vrais résultats. Et surtout, voilà, vous apportez ce côté frisson que moi je vis en enquête. Et voilà. Et donc c'est pour ça que moi je rajoute des sons d'ambiance. Alors, je le dis une dernière fois, après j'en parlerai plus. Ne pas mélanger fake et montage. Voilà. Juste ça. Il faut surtout pas faire ce mélange parce que ça n'a rien à voir. C'est deux choses totalement différentes. On peut être honnête et faire du vrai montage. Bon, je vais dire un beau montage parce que je pense arriver à faire un montage intéressant. Je suis loin du résultat professionnel que j'aimerais avoir. J'ai des mouches partout, je suis désolé. Ça va pas faire terrible à l'image. Il commence à faire chaud chez moi. Et chez moi, quand il fait chaud, malheureusement, je suis un peu à la campagne, il y a des mouches. Donc c'est pas cool. Alors, quand je parle de réalisation de type cinéma, mettre des sons d'ambiance, je parle de ça. Alors, je vais essayer de vous en faire écouter un. De son d'ambiance, c'est ça, ce type de son là. Donc pour ceux qui me découvrent, vous allez souvent entendre des sons de ce type. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, vous savez très bien que c'est comme ça que je réalise mes vidéos. Moi je veux vous mettre vraiment dans l'ambiance, c'est le but, c'est ce que je cherche. Je veux vous faire peur autant que moi j'ai peur. Cela n'empêche pas que je souhaite aussi vous amener des pas des preuves, parce que c'est pas des preuves, et de toute façon, tout ce que vous verrez, et je suis pas le seul à le dire, et de toute façon, j'adhère totalement à ça. Ce que vous allez voir sur internet, ça pourra pas vous prouver à vous directement que tout ce qui se passe dans nos vidéos, c'est vrai. Voilà, on pourra pas vous le prouver. Quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas parce que. Il y aura toujours des gens sceptiques et il faut l'être sceptique. Moi, j'essaye de le rester un petit peu. C'est difficile de plus en plus parce que quand on vit des choses un petit peu incroyables, on a du mal à le rester. Alors, il y a toujours des choses où moi, je resterai sceptique. Je ne vais pas m'étaler sur les choses que je crois et les choses que je ne crois pas. Moi, je respecte les croyances de chacun. Chacun a le droit de dire moi j'y crois, moi j'y crois pas. Le plus simple est encore de le vivre et de le faire pour arriver à se prouver à soi-même que tout ça existe et que ce que vous voyez dans les vidéos peut être vrai. Voilà, tout simplement. Parce que bien évidemment, vous le savez, sur Internet, tout n'est pas vrai, malheureusement. Alors, bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse sur ce que je souhaite réaliser. Ce que je voulais vous dire aussi d'autre, avant de passer aux questions, ça fait un an et un mois maintenant que j'ai lancé la chaîne. Donc maintenant on est un petit peu plus de 10 000 abonnés en un an. Je trouve ça très bien, surtout partant de zéro. Partant de zéro et surtout n'ayant. Voilà, je suis pas. Comment dire? Je faisais rien d'autre en fait sur le net avant. Moi j'étais comme vous, je regardais des vidéos, je m'intéressais un petit peu à tout, plus particulièrement au gaming, la musique, bon après les sports de combat, j'aime beaucoup regarder tout ce qui est vidéo K1 et compagnie, ça c'est mon truc, mais ça n'a rien à voir. Voilà, ça fait partie de mes passions, des choses que j'aime. Qu'est-ce que je m'embrouille? Je commence déjà à m'embrouiller, c'est mal barré. Oui, voilà, donc ça fait un an. Un petit peu plus d'un an et aujourd'hui je sais pas trop comment les choses vont évoluer. Voilà, je vais être honnête, le paranormal à mon niveau ça ne me permet pas d'en vivre. Le peu de location que je fais malheureusement ne me permettent pas de vivre. J'ai deux enfants, il faut bien que je m'occupe de mes enfants. Il faut bien que je m'occupe de payer mon loyer, tout ça, comme tout le monde, hein, comme vous. Voilà, je suis pas unique, hein. On est tous dans le même bateau à ce niveau-là. Je cherche pas à rallier des gens à la cause de la location de mes épisodes. Bien évidemment, s'il y avait beaucoup plus de location, c'est sûr, faut pas se le cacher. Et puis de toute façon, je vais pas mentir, hein, s'il y avait plus de location.
je pourrais très très clairement en vivre et du coup pas forcément avoir dans l'idée d'arrêter. Voilà. Alors, l'idée d'arrêter, c'est un grand mot aussi. J'aime bien ce terme, c'est un bien grand mot, je le dis souvent ça. Donc le terme arrêter, c'est un bien grand mot. J'arrêterai pas, et je n'arrêterai pas, mais je vais devoir sûrement, très probablement, énormément diminuer. Alors, pourquoi? Parce que je vais devoir bosser d'ici très peu de temps. C'est là. Là, dans les médias, c'est une histoire de semaine, voilà, de semaine ou mois, mais pas plus. Pas plus, parce que tout simplement, voilà, j'arrive en fin de droit. J'ai profité de ma période de chômage pour pouvoir lancer ce projet, essayer d'en faire quelque chose d'intéressant, d'intéressant, tout simplement. Voilà, j'ai essayé, j'ai réussi à faire un petit bout de chemin intéressant en un an. Mais aujourd'hui, je suis dans une impasse et il va falloir que je prenne une décision. Continuer ou arrêter ou diminuer, je sais pas. Je pense pas arrêter, très sincèrement, je pense pas. Ça m'étonnerait parce que j'aime vraiment faire ça. Je prends beaucoup de plaisir à aller faire les enquêtes, à réaliser le montage. Malheureusement, ça prend énormément de temps. Alors, le montage, c'est vraiment un truc de dingue. J'avais déjà fait du montage vidéo pour du gaming, mais des tout petits trucs, rien de très très long. En 3-4 jours, on faisait une vidéo, quoi. Là, le dernier épisode, le premier épisode de la saison 2, donc en tease, m'a pris plus d'un mois pour pouvoir le sortir et le finaliser. Donc ça a été très long. Et un mois pour sortir un épisode avec le peu de location que j'ai, malheureusement c'est pas suffisant pour en vivre et pour pouvoir continuer. Alors je dis pas ça, voilà, j'insiste là-dessus, je dis pas ça pour qu'il y ait plus de gens qui louent, qu'il y ait plus de gens qui paye pour voir les épisodes. Je dis ça pour vous expliquer simplement que malgré mon investissement, qu'il soit financier ou personnel, je peux pas dans l'immédiat, je peux pas en vivre. Voilà, je peux pas en vivre et je peux pas continuer comme ça parce que il y a des obligations. Et voilà, je voulais vraiment insister sur ce point-là parce que c'est important, parce que vous allez vous poser des questions. Savoir pourquoi j'arrête, pourquoi je continue pas, pourquoi je fais une pause, pourquoi je diminue, pourquoi les vidéos mettent maintenant 3 mois à sortir au lieu de 3 semaines ou un mois. Voilà, ce sera comme ça. Il faudra vous y faire, je pense, pour ceux qui sont vraiment fans de la série et abonnés investis. Je suis désolé, mais dans l'immédiat, j'ai pas de solution et j'ai pas les moyens de pouvoir faire mieux que ça. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'était le point général sur la série, le futur de la série, le pourquoi du comment je monte mes épisodes comme ça. Maintenant, on va passer aux questions que vous m'avez posées. Donc, alors tu me demandes, est-ce que lors d'une de tes dernières enquêtes, tu as eu l'occasion de ressentir un pur moment de terreur pendant lequel l'espace de quelques secondes ou quelques minutes, tu as cru que ta dernière heure avait sonné? Alors Véro, non. Ma dernière heure, je pense pas qu'elle ait encore sonné, surtout pas en enquête. Je suis pas du genre à penser que ça puisse être dangereux à ce point-là. Au contraire, je pense que ça peut être dangereux, oui. Bon, après à ce point-là, moi j'ai plus peur de l'homme que de l'entité, que du fantôme. Voilà. Je trouve que l'homme est bien plus dérangé qu'une entité pour moi. Non, la dernière enquête est celle de l'abbaye que vous n'avez toujours pas vue, que j'ai toujours pas montée. C'est les deux pires pour moi. Voilà, les deux pires en termes d'événements. Alors là, je vais pas spoiler parce que ce vlog va sûrement sortir pour certains avant l'épisode.
Donc je vais pas spoiler le dernier épisode, mais ce qui s'est passé dans cette maison, j'ai pas trouvé ça forcément dangereux. Alors si, un petit peu quand même. Mais de là à en mettre ma vie en jeu, non. L'abbaye, ça a été très très compliqué. On y a fait 4 nuits, j'y étais avec Mika et Dorothée. La première nuit, on a coupé court de toute façon à l'enquête, simplement parce que on s'est senti mal d'un coup, mais alors un mal. Le genre de mal-être qui vous fait quitter un lieu en courant presque. Donc on est parti précipitamment. Ce lieu est pour moi malsain. Cette abbaye, il y a quelque chose de. Pour moi, hein, c'est mon avis, je pense qu'il y a quelque chose de mauvais. Donc. Non, pas à ce point-là. Pour répondre à ta question, pas à ce point-là, mais quand même quelque chose, ouais, quelque chose de flippant, oui. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Véron. Alors, une question de Nina. Ressens-tu une différence de mentalité vis-à-vis du paranormal autour de toi, que ce soit au niveau professionnel que de tes proches? Il y a une autre question dedans. Y a-t-il des personnes sceptiques à la base que tu as réussi à faire douter grâce à ton super travail? Merci. Et du coup, crois-tu à une réelle ouverture d'esprit dans les années à venir, comme dans d'autres pays? Très ouvert sur le sujet, comme les USA ou les pays de l'Est. Merci de répondre si possible. Alors, une différence de mentalité, de toute façon, il y en aura toujours, à tous les niveaux, sur tous les domaines. Malheureusement, c'est comme ça. Enfin, malheureusement, non, c'est même pas malheureusement, c'est normal, je pense que c'est normal. On ne peut qu'avoir des différences de toute façon à ce niveau-là parce qu'on n'a pas tous les mêmes avis, on ne voit pas tous les choses de la même façon. Et ça serait bien triste de toute façon, je pense, sinon il n'y aurait jamais de questions, jamais de débats. On serait tous d'accord, ça serait le monde des bisounours. Donc je trouve ça normal. Ensuite, tu me demandes s'il y a des personnes sceptiques. Oui. Au niveau de mes proches, il y a ma compagne qui est très sceptique. Elle est plutôt sceptique. Et c'est vrai que elle doute. Ouais, elle doute. C'est quelqu'un de très très sceptique qui a beaucoup de difficultés. Elle va chercher tout de suite le côté rationnel et elle ne va à aucun moment penser à quelque chose de paranormal. Par contre, ça peut arriver qu'elle se mette à douter sur certaines choses. Et donc oui, pour répondre à ta question, j'ai réussi déjà elle à la faire douter. Après, je parle pas trop de tout ça au niveau de mon entourage. J'en parle pas trop simplement parce que c'est pas un sujet qui passionne les foules, on va dire, et qui est très répandu. Voilà, on est en France. Et c'est malheureusement un pays, comme tu le dis, pour rebondir un petit peu sur ta question d'après. C'est un pays qui est plutôt fermé à ce niveau-là. Et non, je pense pas que la mentalité dans les années à venir va changer. Parce que c'est pas un domaine où on aura des réponses facilement. Voilà, il n'y aura pas de réponse facilement. Donc ça va être très long. Avant de changer, à mon avis, ça sera très très long. Très très long. Hervé, tu me demandes, est-ce qu'il t'arrive de porter sur toi des gris-gris, allumettes ou autres objets pour te protéger. Alors, j'ai une petite médaille de Saint-Benoît, c'est tout. Juste ça. Je pense pas forcément que ça puisse me protéger. Je le dis assez souvent, je pense pas qu'on puisse se protéger de quelque chose qu'on connaît pas. Voilà. C'est un peu comme si demain tu te dis. Enfin, tu te dis rien du tout, tu sors, tu mets ton manteau, parce que ton manteau de pluie, par exemple, et qui fait grand soleil. Voilà, tu as mis ton manteau de pluie, il fait grand soleil, ton manteau te sert à rien. On ne sait pas, si tu te renseignes pas, si tu sais pas, tu peux pas te protéger. Ça, c'est mon avis, c'est personnel. D'autres ne pensent pas du tout la même chose que moi, et j'ai déjà eu des discussions avec des gens là-dessus,
beaucoup de gens me disent qu'il faut me protéger, pas faire de la Ouija. Voilà, j'ai pas le même avis là-dessus. Moi, je pense que tu te protèges quand tu sais contre quoi tu dois te protéger, mais quand t'en as aucune idée, je vois pas contre quoi quoi utiliser pour se protéger de quelque chose que tu connais pas, quoi. Donc non, je pense pas, Hervé. Franchement, je pense pas que ça soit utile. Je l'ai, c'est plus symbolique qu'autre chose. Voilà, c'est pas vraiment, c'est pas fait pour me protéger. Alors, Ludovic, tu voulais savoir si après une enquête, je n'étais pas trop perturbé psychologiquement parlant. Et si oui, quelle enquête a été la plus éprouvante après coup et pourquoi? Donc, j'ai déjà répondu quelque part à cette question. Après une enquête, t'es forcément de toute façon, quand il s'est passé des choses un petit peu comme la dernière et l'abbaye, oui, t'es plein de questions. Ça t'arrive souvent de réfléchir pendant le trajet, de réfléchir à la maison. Ouais, c'est... Ben, perturbant psychologiquement, non, parce que si tu commences à être perturbé psychologiquement en faisant ça, il vaut mieux arrêter, parce que ça peut avoir, je pense, un rôle assez malsain au niveau de ton état psychologique, quoi, tout simplement. Donc à ce point-là, non, mais ça te fait beaucoup réfléchir, et c'est clair que tu te poses des questions pendant des jours, des semaines, voire des mois. Voilà. Mais après... Non, psychologiquement parlant, pas à ce point-là. Je sais pas, non, moi non. Je sais même pas trop comment répondre à ta question, à part ce que je t'ai déjà répondu, mais non, pas à ce point-là, quoi. Voilà. Alors, Anne-Marie, tu me demandes, as-tu déjà l'impression qu'une entité t'a suivi jusqu'à chez toi, pardon, et qu'il s'est passé des phénomènes inexpliqués? Alors, j'en avais déjà parlé, je sais plus quand, je sais plus où. Il s'est passé des choses chez moi pendant quelques temps. Ça s'est arrêté, ça a repris, ça s'est arrêté. Rien de mauvais, rien de méchant. Par exemple, dans ma cuisine, j'ai le plan de travail et l'évier au fond. Donc il y a la cuisine, le plan de travail, pardon, qui est comme ça, et l'évier qui est comme ça. Ça fait un L. Les petits chez moi, ils ont un établi avec des écrous et des boulons pour faire du bricolage. Et il y avait un écrou qui était posé en plein milieu du plan de travail. Vraiment droit au milieu, il n'y avait personne, j'étais tout seul dans la maison. Moi, je suis passé à côté, à peu près, je sais pas moi, 1 mètre, 1 mètre 50. J'étais à la cuisine, me servir un verre d'eau. Et arrivé au bout, j'entends quelque chose tomber. Je me retourne. Et c'était l'écrou qui était posé sur le plan de travail qui était par terre. Alors, ça reste étrange. Pour moi, ça reste pas explicable. Est-ce que c'est un phénomène paranormal? Je sais pas. Il y a eu plein d'autres petites choses. Hein. Par exemple, un soir, je vais me coucher. Bon, j'ai l'habitude de me coucher tard parce que je bosse tard. Je vais me coucher. Donc je me mets au lit, tranquille, je prends mon téléphone, comme d'habitude, le petit rituel du soir, je pense comme beaucoup. Et là, d'un coup, j'ai la porte de la salle de bain qui, quand on la pousse à peine, elle fait un petit bruit de grincement. Et j'entends cette porte grincer. Et je me suis dit, sur le moment, c'est le petit qui s'est levé pour aller aux toilettes. Donc j'ai attendu, j'ai regardé dans l'angle de la porte pour voir si je le voyais passer. Et 5 minutes après, toujours rien, pas de petit, donc je décide de me lever, je vais voir, dans la chambre des petits, déjà en premier. Et les deux petits étaient au lit, ils dormaient tranquillement. Et j'avais le chat qui était posé, peinard, en train de dormir aussi sur la rambarde de l'escalier, là. Et voilà, et tout était fermé, pas de courant d'air, rien du tout. Et je sais pas pourquoi cette porte, a grincé comme ça, aucune idée. Donc, phénomène inexpliqué, je sais pas. C'est inexpliqué, parce que j'ai pas de réponse. C'est étrange, mais je sais pas. Moi, j'ai la sensation, oui, qu'il y a... Après, il y en a d'autres, il y a plein d'autres choses. Je vais pas m'étaler, parce que sinon, je fais un vlog juste sur cette question. Il y a plein d'autres petits trucs qui se passent, mais voilà, c'est des choses du même style. Rien d'agressif. Je pense qu'il y a quelque chose qui soit me suit, soit...
soit était là et mais n'est plus là, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, je pense avoir répondu là aussi à ta question. Alors, Dani, tu me demandes si j'ai prévu d'enquêter hors de la France. Alors j'ai prévu, oui, j'ai prévu. Alors j'ai prévu, j'ai pas de lieu de prévu, j'ai prévu de le faire. Voilà, j'ai l'intention de le faire. Tout ça dépendra de l'évolution de la chaîne, forcément. De la continuité du projet, de la possibilité d'aller à l'étranger. Il y a un lieu qui est pas très onéreux, qui est très difficile d'accès, pour moi extrêmement dangereux, que j'ai envie de faire, que quelqu'un a déjà fait, mais qui lui n'est pas forcément enquêteur dans le domaine du paranormal, qui fait d'autres vidéos. Ce lieu est difficile d'accès parce que on n'a pas le droit d'y aller, simplement. Les autorisations apparemment sont très compliquées à avoir. En termes de coût, ça doit être une histoire à 5 ou 600 euros, je sais pas, à peu près, ça doit coûter à peu près 500-600 euros de pouvoir soit ben déjà s'y rendre, sûrement verser quelque chose pour pouvoir avoir la possibilité d'être dans le lieu. Voilà, oui, j'ai l'intention de le faire si. Alors, c'est toujours pareil, c'est pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Alors là, on va parler de succès, forcément. Parce que le succès. Alors, c'est les phrases bateau, hein, ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça. Le succès amène l'argent. L'argent amène les moyens de faire des choses. Et quand on a les moyens de faire des choses, et bien on peut aller loin. Par exemple, hors de la France, et payer des billets d'avion, tout ce qui coûte extrêmement cher. Donc voilà, forcément, pour pouvoir bosser dans ce milieu-là, hors de la France, il faut avoir un peu de succès, de notoriété. Il faut arriver à en vivre, donc gagner de l'argent avec. Et avec cet argent-là, donc pouvoir se payer un voyage assez onéreux. Pour aller hors de la France, parce que c'est vrai que en dehors de la France, il y a beaucoup, beaucoup de lieux que j'aimerais faire. Ouais, voilà. Donc, ouais, j'aimerais vraiment faire ça. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment super de pouvoir voyager à l'étranger pour pouvoir vraiment proposer des enquêtes dans des lieux de fou. Parce qu'il y a des lieux vraiment en dehors de la France, il y a des lieux de dingo, mais ça coûte trop cher, trop trop cher pour se déplacer aujourd'hui. C'est une sacrée organisation. Ça va être très compliqué de gérer ça, mais ça peut se faire avec, voilà, encore une fois, avec de la notoriété. Malheureusement, quand on est tout petit, on peut pas faire grand-chose. Voilà, simplement. Donc j'espère pouvoir le faire. Ouais, j'espère vraiment. En tout cas, c'est dans mes motivations. Alors Magali, tu me demandes, que pensez-vous des enquêtes de RIP? Laquelle avez-vous préférée? Laquelle auriez-vous voulu faire? Et quant à vous, avez-vous demandé des autorisations qui vous ont été refusées et que vous regrettez de ne pouvoir faire? Alors, j'ai pas pour habitude de donner mon avis sur le travail des autres. Voilà. Pour RIP, c'est différent un petit peu, on va dire, parce que bon, déjà je connais maintenant personnellement Denis. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, Denis. Moi, ce que j'aime dans les enquêtes de RIP, alors déjà, mis à part le fait que ce soit les pionniers en France du paranormal, que c'est quand même grâce à eux qu'aujourd'hui vous avez des vidéos en France sur ce domaine-là, parce qu'ils ont quand même fait démarrer l'univers, le domaine dans notre petit pays, si fermé à ce monde-là. Moi, ce que je pense, c'est que. Alors, je vais donner mon avis pour RIP, mais je le ferai pas pour tout le monde, parce que malheureusement, je pense pas la même chose de tout le monde, et j'ai pas envie d'être vexant pour qui que ce soit. Et voilà. Moi, en général, je ne donne pas mon avis, parce que je respecte le travail de chacun. Que j'aime ou que j'aime pas, de toute façon, c'est pas à moi d'aller leur dire que c'est bien ou que c'est pas bien, ou que tu dois faire ci ou que tu dois faire ça. J'aime pas. J'aime pas faire ça parce que je trouve que
Ça se fait pas, voilà, simplement ça se fait pas. Enfin, pour moi, dans mon cas, je trouve que j'ai pas à faire ça. Qu'est-ce que je pense des enquêtes de RIP? Je trouve qu'il y a une belle recherche au niveau des lieux. Ben, il y a comment dire? Il y a de la réflexion en fait dans le travail. Voilà, c'est pas fait à l'arrache. Moi, quand je fais une enquête, j'ai l'impression de la faire à l'arrache, par exemple. Mais tu vois que, par exemple, RIP, eux, ils vont quand même vraiment pousser le truc vachement loin. Non, moi, je trouve que les enquêtes de RIP, moi, j'apprécie beaucoup. Je regarde beaucoup de toute façon. Après, j'en regarde pas énormément. Je regarde RIP. Bon, bref, je vais pas m'étaler sur qui. Enfin, qui je regarde, sur qui je regarde. Mes RIP, je les regarde. Je les regarde, je regarde les enquêtes. Laquelle j'ai préférée? Moi, j'ai bien aimé celle de le pensionnat. Le pensionnat, j'ai vraiment aimé. Déjà, le lieu, je l'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ce lieu vraiment intéressant. Je pense que c'est un lieu où il faut sûrement creuser là-bas. Ça serait intéressant d'y faire quelque chose. Ouais. Si j'en ai préféré une, c'est bien le pensionnat. Ouais. Ensuite, laquelle auriez-vous voulu faire? Ben, le pensionnat. Ouais. S'il y a un lieu que j'aurais voulu faire là où l'équipe de RIP a été, c'est bien le pensionnat. Quant à moi, alors les demandes, oui, oui, forcément. De toute façon, on a beaucoup de demandes d'autorisation qui nous sont refusées. Encore une fois, on est en France. Et en France, il faut soit payer, soit payer, soit on vous refuse de toute façon. On doit avoir peut-être 60%, 70% de refus. Donc voilà, je pense avoir répondu à ta question. En suivant, maintenant. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un truc de dingue mais que tu n'as pas voulu mettre de peur que l'on te dise que c'est du fake, du truqué? Oui, ben oui, forcément. Forcément, là, la dernière enquête, j'hésitais à tout mettre, hein, ou pas. L'épisode du manoir, le deuxième, j'ai hésité à mettre la scène où j'ai mon bug là pendant 10 minutes, où je me rappelle pas de quoi que ce soit. Ça, j'ai failli pas le mettre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai failli pas mettre? Là, comme ça me revient pas, mais oui, forcément, il y a des choses que tu t'as pas envie de montrer parce que, encore une fois, on est tellement fermé chez nous que soit il faut que ça soit très gros, et là, bizarrement, tout le monde gobe le très gros. Par contre, quand vous avez un truc bien réel entre le très gros et enfin, du moins ce qu'on a l'habitude de voir, bizarrement, les gens se posent plus de questions. Alors malheureusement, enfin moi je l'ai vu ça souvent dans d'autres vidéos. Alors je commente pas, mais j'aime bien lire les commentaires. Et c'est vrai qu'il y a des fois on voit des trucs, mais je me demande comment certains peuvent croire des choses pareilles. Et là t'as tout le monde quoi qui waouh et tout trop bien, trop fort, alors que ça, par contre, ça pue le fake à 10 km. Et quand vous avez un petit truc, ou un truc, on va dire, moyen, mais normal, quoi, les gens s'interrogent beaucoup plus. Allez comprendre. Je sais pas, moi je comprends pas ça. Alors oui, il y a des choses que j'ai pas voulu mettre, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout mis. Même dans le dernier épisode, je voulais pas tout mettre, mais j'ai tout mis, parce qu'en fait, je me dis que, de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Que je le mette ou que je le mette pas, y en a quand ils vont voir une petite boule passer, comme à la tour Moncade, il y a une espèce de. Alors je pense que c'est une espèce d'insecte qui descend en tourbillon. Il y a des gens qui m'ont dit oui, mais c'est un laser. Un laser, il lui faut un support, d'accord? Pour qu'on voit ce point, il lui faut un support. Là, on voit bien que le truc qui tombait était au milieu de la pièce. On voit bien que ça, il y a une table, on voit bien que ça passe devant la table et tout, ça reste bien droit. Si c'était un laser, ça aurait été au fond de la pièce, contre le mur, et le laser, en lui faisant faire des ronds, on aurait bien vu de toute façon qu'il n'y aurait pas cet effet de 3D en gros, ça aurait été vraiment sur un mur tout plat. Comme au fond du mur,
Il y a l'escalier, il y avait la table, on aurait vu des reliefs quand ça passait sur l'escalier. Bon, voilà, un truc tout bête comme ça, par exemple, qui d'une, n'a rien de paranormal et en plus n'est absolument pas faké ou quoi que ce soit, on vient vous dire que c'est un laser, ceci, cela. Ok? D'accord? Quand vous voyez des trucs, alors je ne nomme personne parce que j'ai pas envie de faire de la pub à qui que ce soit, bien sûr, il y en a qui font du fake, bien sûr. J'en connais qui font du fake, mais je vais pas aller les nommer parce que j'ai pas que ça à faire, et puis c'est leur problème. Faites ce que vous voulez, c'est votre délire. Mais certains de ces gens-là qui font des gros fakes énormes, mais t'as les gens, ils sont à fond dedans, quoi. Ils y croient à fond. Donc bon. Donc maintenant, moi je mets tout. Je mets tout, je m'en fous, peu importe. Après, les gens ont le droit de ne pas croire. Moi, comme je le dis toujours, à partir du moment où il y a le respect dans le commentaire, on peut très bien me dire, voilà, moi j'y crois pas, je pense que ceci, c'est cela. Le truc, c'est d'avancer une théorie cohérente et réfléchie, et pas de dire bêtement, oui, c'est un laser. Bon, tu vois que le mec a pas réfléchi quand il a écrit ça, quoi. Voilà, moi je demande juste aux gens qu'ils soient corrects. Et qu'ils avancent leur théorie avec respect et surtout en essayant de réfléchir avant de dire c'est du fake, ou c'est quelque chose de normal ou un laser ou tout ce que tu veux, mais le faire simplement avec du respect. Donc maintenant, oui, moi je mets tout. Je mets tout. Voilà, je mettrai tout. Je mettrai tout. À part si ça devient vraiment un truc hyper personnel et vraiment gênant, que je peux pas montrer parce que ça touche à ma propre personne et que c'est des choses qu'on peut pas montrer, oui, je le montrerai pas, mais voilà. Mais j'en parlerai, voilà. Je dirai, il s'est passé ça, je peux pas le montrer parce que c'est trop personnel, mais voilà, simplement ça. Alors, Émilie, alors, pardon, la question d'avant c'était Laurette, je t'ai pas nommé, donc Émilie, maintenant, je donne pas vos noms, hein. Je donne juste vos prénoms. Est-ce qu'à chaque fois que tu as visité des endroits, pardon, ils étaient toujours hantés? Ensuite, tu m'as demandé aussi, est-ce que tu sens, pardon, toujours des courants d'air frais avant une manifestation? Alors, à chaque fois que j'ai visité des lieux, ils étaient hantés? Non, absolument pas. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait à peu près un an que je suis au chômage. J'ai profité de cette période pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enquêtes. J'ai jeté énormément d'enquêtes, beaucoup. Si aujourd'hui j'avais tout publié, j'aurais peut-être entre 20, 25 épisodes, quoi. Voilà. J'ai jeté beaucoup de trucs parce que beaucoup de vidéos où j'ai pas de résultats. Et comme je l'ai déjà dit, je vais pas vous proposer une vidéo où il ne se passe rien. Je ne vais pas vous faire payer un épisode pour regarder une heure ou une heure et demie de promenade. Voilà. Donc non, tous les lieux ne sont pas hantés. Ou du moins tous ceux que moi j'ai visités ne sont pas hantés. Alors il y a des lieux, par contre, alors ça c'est quand même quelque chose à préciser. Il y a des lieux, vous pouvez le faire 10 fois, vous n'allez rien avoir. Vous le faites une 11e fois, vous allez avoir tout ce que vous n'avez pas pu avoir pendant ces 10 autres fois. C'est comme ça. D'ailleurs, vous allez le voir sûrement sur l'épisode de l'abbaye. Je vous expliquerai tout ça. L'histoire des courants d'air, non. Non, ça arrive de recevoir des coups, de ressentir, pardon, des courants d'air, mais pas à chaque fois, pas à chaque fois qu'il se passe quelque chose, quoi. Non, non. Voilà. Alors Marie-Josée, tu me demandes si ma femme y croit aussi au paranormal. Alors j'ai déjà répondu à cette question, c'est une sceptique, mais j'ai oui réussi à la faire douter, hein, et je pense oui qu'on peut dire qu'elle y croit. Elle y croit en étant très sceptique quand même. Alors, Alex, alors c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Tu dis, moi la seule interrogation serait, est-ce qu'un mec aussi bon va enfin pouvoir être reconnu à la hauteur de son talent et de pouvoir le faire vivre?
C'est un peu gros, je trouve, quand même. Moi, je pense pas avoir un talent particulier, c'est juste que j'aime faire ce que je fais. Au niveau du montage, je suis un petit peu perfectionniste, donc j'aime bien essayer de faire toujours mieux que ce que je peux produire. Alors, c'est pas forcément très bon, mais en tout cas, j'essaye de faire au mieux. Alors, talent, c'est un grand mot, c'est un très grand mot, je pense pas avoir de talent particulier. J'ai pas vraiment de réponse à cette remarque parce que moi j'estime pas être autant talentueux que tu le dis, mais c'est gentil et je te remercie. Voilà. Maxime, tu me demandes en général quelle est la théorie ou ton sentiment sur ce que tu vis dans tes enquêtes? Je veux dire par là, es-tu sûr que ce sont des défunts ou as-tu d'autres théories? Eh bien, comment te dire? J'ai pas de théorie particulière. Il y a une théorie, c'est pas ma théorie, c'est une théorie qu'apparemment Denis de RIP partage, il l'a expliqué d'ailleurs par rapport à la dernière conférence qu'il a fait, où j'étais, où j'ai assisté. Je pense des théories, il y en a des tonnes, des tonnes. Mais avoir une vraie théorie, il faudrait déjà avoir des éléments de. Déjà des éléments de réponse sur ce qu'on fait pour pouvoir avoir une théorie. Du moins une théorie. C'est compliqué, hein, une théorie valable, voilà. Après, les théories qu'il y a, c'est plus du farfelu et de l'imaginaire, on va dire, pour l'instant. Une théorie qui m'intéresse beaucoup, ça serait par exemple. Alors là, on rentre dans le. C'est là-dedans que ça se passe, hein, ça n'a rien de très clair tout ce que je veux dire, mais. Une possibilité, ce serait qu'il pourrait pour moi y avoir. Alors, soit des entités, qui soient morts, qui soient. Peu importe, voilà, des entités, fantômes, par exemple, on meurt et on reste là en tant que fantôme. Il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir aussi peut-être une espèce de dimension parallèle qui par exemple peut se croiser à un moment donné et faire que à ce moment-là, toi tu sois par chance on va dire en train de faire une enquête, que au même endroit tu poses des questions et qu'au même moment par chance tu es. Tu arrives à entendre cette autre dimension, que ce soit par un enregistreur numérique ou directement, que tu arrives donc à en déduire une réponse. Je sais pas, c'est tellement compliqué, tellement vaste que tu peux tout imaginer, rentrer dans des délires complètement fous, quoi. Tu peux imaginer des tonnes de trucs. Après, tout est valable et rien ne l'est en même temps, quoi. Donc, je vais te dire très honnêtement, je pense que. Ni toi, ni moi, ni personne n'avons de réponse claire et assez je sais même pas comment t'expliquer ça, il n'y a pas de réponse. Moi je pense que pour l'instant on n'en sait rien, on sait même pas à quoi on a affaire, et que le but pour l'instant c'est surtout d'essayer de continuer, et peut-être qu'un jour quelqu'un, il suffira d'une personne je pense, hein, que quelqu'un arrive à avoir la preuve, le truc qui fait que là on va se dire voilà, il y a quelque chose et on peut déjà commencer à se diriger vers une théorie valable, parce que là au jour d'aujourd'hui on est plus dans des théories farfelues à s'imaginer plein de choses et il n'y a pas forcément grand chose de très concret, de très clair, de très sûr, voilà. Donc j'ai pas vraiment de théorie. J'adhère à des théories parce que c'est ce que je pense, mais c'est pas forcément la bonne. Voilà. Clément, tu me demandes si au million d'abonnés je fais un striptease. Ben oui, ouais, je ferai un striptease, pas de problème. Ça marche. Non, c'est pas vrai, hein, je fais pas de striptease. Alors voilà, donc.
Je sais pas où c'est qu'on en est en termes de temps. Je vais pas m'étaler. Je pense avoir répondu à pas mal de questions, voire toutes. Il me semble, je sais pas. J'en ai peut-être raté. Si j'en ai raté, je suis désolé. Donc voilà, en gros, pour finir ce point, ce vlog, cette vidéo, j'espère vraiment que tout ça va pouvoir continuer. Alors oui, j'espère pouvoir un jour en vivre pour pouvoir continuer à proposer un programme qui vous intéresse, qui m'intéresse à produire. J'essaierai peut-être sûrement de trouver de nouvelles choses, même si, encore mieux, si j'arrive à trouver un nouveau concept mieux que celui-ci, je le ferai. J'essaierai dans la mesure du possible, c'est pas évident dans le paranormal parce que il y a beaucoup de choses à faire et en même temps pas tellement. Parce que on est très limité quand on est tout seul. Que ce soit par la logistique, la main-d'œuvre, hein, forcément. Tout n'est pas facile à installer. Par exemple, là j'ai vu au château de Fougeray, j'avais. Alors j'ai dit 13 caméras, je me suis trompé, j'en avais 14. Il y avait 14 caméras. 14 caméras à mettre en place avec des pods partout ou des enregistreurs numériques. Ça prend un temps monstrueux. Monstrueux, mais vraiment monstrueux. Donc c'était chouette d'avoir autant de caméras. Ça va être un montage, d'ailleurs c'est le prochain que je fais. Ça va être un montage extrêmement compliqué. Ça va être des heures d'analyse. Ça va être laborieux, ça va être très très dur. Je sais même pas comment je vais m'en sortir. Mais il faudra le faire. Donc je sais même plus pourquoi je dis ça. Oui, ouais, par rapport au projet. Donc voilà, j'espère pouvoir continuer vraiment, vous proposer quelque chose. Ben que vous allez aimer de plus en plus, que vous allez être de plus en plus nombreux à me suivre et à me soutenir. J'espère vraiment pouvoir arriver à faire ça. On verra ce que l'avenir nous pendra, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo. Des vlogs, j'en ferai pas tout le temps, simplement parce que ça prend du temps. Et qu'il y a des enquêtes à monter, il y a du travail à côté, il y a trop de choses à faire. Donc des vlogs, j'en ferai pas, voire. Enfin, j'en ferai peu, voilà, j'en ferai peu. Donc voilà, je vous dis sur ce, une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, matinée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, enquête ou un vlog. Voilà, ciao ciao!